tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc, nous sommes le 9 février. Je vous prends, il est 9h. On vient de déposer les loulous à l'école. Ça s'est bien passé pour Evan. Non, il n'a pas fait de crise aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, donc là, on va s'en aller chercher des chaussures, des loulous, aller à Action et à Lidl. Ensuite, on doit aller chez ma soeur ramener le costume pour ma nièce. Ensuite, je reviens, je dois aller à la pharmacie. Ensuite, bah, si j'ai le temps, je rangerai un petit peu entre temps et puis je commencerai à préparer ma liste de courses pour la semaine prochaine. Et puis, après, j'ai l'atelier à l'école. Ensuite, je rentre et puis avec les loulous, bien sûr, parce que ça se termine à la sortie de l'école, donc ça, c'est pas mal. Et puis, ça va être la routine, hein. Je sais même plus. Ah oui, ce soir, c'est poulette à la sauce tomate avec des pâtes, donc je ferai ça tout à l'heure. Bon, c'est rapide, donc ça va aller. Et puis voilà quoi, donc encore une journée bien bien remplie. Donc monsieur lui il a une attelle à prendre et moi il me faut une ceinture de maintien pour mon éventration. Du coup en attendant l'opération, il faut que je téléphone aussi au chirurgien. Donc ça, voilà, je suis pas pressée, hein. J'ai pas envie de repasser sur le bloc, mais bon on n'a pas le choix. De toute façon, ça m'embête un peu, mais bon, voilà, qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc là, on va se préparer et puis on va aller là-bas parce que bah, l'heure, elle va tourner assez vite. Et puis, le temps de faire tous les magasins et tout ça, ça va prendre du temps. Donc voilà, voilà. Donc là, je vais tout préparer, ce que j'ai besoin. Et puis, on est parti. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, il est 14h45, donc en fait, on a été à Chaussée Expo. Donc je vais vous faire voir d'abord les chaussures. Donc c'était la promotion, c'était une paire achetée, la deuxième à 1 euro. Donc on en a profité pour refaire les stocks, du coup, pour les enfants. Hein. Donc pour Irina, on lui a repris celle-ci. Donc voilà, elle ressemble à ça. Hein. Voilà. Hop. Elle va être contente, elles sont belles en plus. Donc, ils étaient à 25 euros. Et donc, on lui a repris. Attendez, parce que comme j'ai mis sur les pattes ensemble, voilà. On lui a repris celle-ci. Donc, celle-ci, elles étaient à 25 euros. Voilà. Donc voici, on lui a acheté ces petites bottines-là. Comme ça, au moins, elle pourra. Ça fait mi-saison quand le printemps il arrive. Donc voilà. Sachant qu'elle en avait des fourrées. Donc j'en avais des fourrées. Mais voilà. Donc du coup, donc la première, on l'a payée 25 euros. Et celle-ci, normalement, elle était à 25. Et il y a eu une remise de 24,0107. Donc, on l'a payé 1 euro, quoi, en fait. Donc, voilà. Donc, même d'occasion, hein, on ne trouve pas à ce prix-là. Hein. Ça valait vachement le coup. Et donc, pour Evan, pareil, la même histoire. Hein. Donc, Evan, on a eu du mal à trouver... a trouvé sa pointure parce qu'il fait du 31 et plus moyen, donc là on a pris du 30 parce qu'il met encore du 30, donc je me suis dit bon après si ça va pas bon ben on ira les ramener, hein. Donc ceux-là, donc on lui a pris les Spider-Man comme ça, hein. Il va être content parce que lui qu'il adore les Spider-Man, ça faisait longtemps qu'il en voulait, en plus des baskets comme ça. Donc ils étaient à 29 euros et ensuite on lui a pris. Donc, on lui a pris celle-ci. J'adore cela.
Et donc, on a payé, du coup, ils étaient à 29 euros, mais on a une remise de 27,97 euros. Donc, ils étaient à 1 euro, voilà. Donc, voilà. Ensuite, on a été à Zeman et puis Action. Mais ça, L'action sociale. je vais vous faire le retour après. Et donc, voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Donc, je vous reprends du coup. Donc, j'ai tourné mon haul Action avec Zeman aussi. On est rentré de l'école. On a fait l'atelier avec Evan. Il était content, Evan. Hein? On a trouvé ça pas mal. Hein? Prochain coup, maman, elle y retournera. Hein? C'est encore un atelier parent comme ça, maman dira. D'accord? Evan était content. Bon, on a fait un puzzle. Parce que bon, chacun choisissait son activité. Hein. Du coup, on voulait qu'il lise tout ça, mais il n'a pas voulu. Donc, il a voulu faire que des puzzles avec moi. Du coup, bon, on l'a fait avec une camarade de sa classe. Bon, c'était un bon petit moment de partage. Hein. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc avant ça, je vous avais expliqué, on devait aller chercher leurs chaussures, aller à Action, à Zeman. Normalement, ce n'était pas prévu, mais on y était parce que monsieur il avait un cadeau de naissance à acheter. Et dans cette ville-là, en fait, on est arrivé à Action. Il n'y avait rien de noté, rien du tout. Nickel. Donc, on commence à remplir notre panier, tout ça, faire nos achats, tout ça. Et puis, arrivé à la caisse, le monsieur nous dit vous pouvez pas payer par carte bancaire. On lui dit alors par chèque. Il nous dit non, non, c'est par liquide. Nous, comme on n'avait pas de liquide, voilà quoi. Puis dans la ville là, il fallait retourner dans la ville pour aller chercher de l'argent. Du coup, on lui demande est-ce qu'il y a un distributeur à côté. Il nous répond en fait, je suis né avec la femme et on verra après. Voilà. Comment vous dire que mon mari s'est mis en colère, qu'il a laissé le caddie, qu'il lui a dit, écoutez, c'est simple, on va laisser ça là et puis on sort. Donc on est parti sans. Le truc, c'est que ça nous a fait faire pas mal de kilomètres parce qu'on était arrivé dans cette ville-là, donc on était à 20 minutes de chez nous. Et en fin de compte, je me suis aperçue aussi que j'avais oublié le costume pour ma nièce. Du coup, on a fait demi-tour pour revenir à la maison. Donc, on est venu chercher les déguisements, tout ça. On est reparti chez ma sœur. Et ensuite, on a dû retourner de l'autre côté d'Action pour avoir les jeux d'activité des loulous. J'ai trouvé quand même pas mal. Je vous ai fait un haul Action, mais je voulais vous faire voir les cahiers de grattage. C'est la première fois que je les vois. Et j'ai pris celui-là pour Evan. Hein. Et puis l'autre, c'est pour fille. Irina, là, déjà, ils sont déjà en train de jouer avec. Hein. Et donc voilà, je trouve ça plutôt bon, en fait, c'est bien fait. Et là, en fait, ils grattent. Et ça. En fait, comme ça, au moins, ils peuvent faire la précision, en fait, des choses. Je sais pas si c'est nouveau, mais j'avais jamais vu ça avant. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et en plus de ça, on a trouvé celui-là pour Evan. Et puis, on a trouvé le Spider-Man aussi, qu'il est en train de faire d'ailleurs. Voilà, et puis j'ai oublié de mettre mon retour Action. On leur a pris ça aussi. C'est ça, moi. On leur a pris des grands cahiers comme ça aussi pour pendant les vacances, s'ils veulent faire de la peinture ou des choses comme ça, au moins voilà, ils ont de quoi faire. Et voilà, donc ils sont rentrés, ils ont essayé leurs chaussures. Donc pour l'instant, Evan, ses baskets lui vont à ravir. Par contre, ses bottes, depuis qu'il a ses baskets, il a voulu essayer en premier les baskets. Et puis les bottines, il veut pas lâcher ses Spider-Man. Donc on verra ça peut-être demain, on lui essaiera demain. Du coup, ça va être compliqué de mettre autre chose que les Spider-Man, du coup. Et donc, Irina, on a essayé ses baskets, ça va impeccable. Par contre, ses bottes, on les essaiera demain aussi, du coup, parce que là, ses pieds un peu trempés. On les essaiera demain, parce que c'est moi, ça va pas bien. Donc, voilà. Donc, ensuite, on est rentré, on a mangé. J'étais à Intermarché parce qu'on voulait
Bah, en fait, on voulait acheter une friterie quelque part, mais il était tard. Du coup, on est rentré et puis on s'est fait, on a acheté de quoi faire des sandwichs. Du coup, c'est ça, je vous fais des boulettes. Je nous fais des boulettes avec des pâtes. Excusez-moi pour le bruit, mais monsieur, comme vous savez maintenant, il est sourd. Donc voilà. Et donc là, bah là, je vais aller attaquer. Déjà, je vais voir Pyrina Ray. Qu'elle apprenne sa dictée. On va lui refaire faire une fois sa dictée, parce que si demain c'est Milan. Et puis Evan, on va essayer de le faire lire un tout petit peu. Sauf que Evan, il est à fond dans ses cahiers. Donc je sais pas comment on va. Non, on ne peut pas lire, on va écrire alors, écrire la dictée du jour peut-être. Hein? Oui. Oui, on va écrire la dictée du jour du coup. Et donc voilà, donc là bah, ils sont. Bah, Evan fait son grattage Spider-Man et puis Rhinos pareil, elle a pris son cahier de coloriage et tout ça, elle est dans son coin. Elle a pris aussi ses crayons que je lui avais pris là, du coup bah, elle est à fond dedans en fait, elle adore ça, donc du coup voilà. Bon, moi je vais ranger un peu tout ça et puis après on attaquera les devoirs, le repas, les douches. Et puis au dodo, parce que demain, c'est la dernière journée de l'école. De l'école. Après, ce sera les vacances. Donc voilà, donc moi, je vous dis à tout à l'heure. Donc, je vous reprends dans la cuisine. Je vais vous prendre avec moi pour faire cuire mes boulettes, du coup. Donc, les enfants sont assez énervés aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Maman, t'arrêtes un peu. Ça va pas bien ici, hein. Ah, c'est sûr que tes vacances, ils arrivent. Arrête, une orge. Mais une orge. Ça veut dire que je pouvais faire tout ce que je veux sur YouTube. Non, non. Ça fait... C'est quoi ça? Arrêtez tous les deux. Pourquoi j'ai piché mon oignon hein? Non, après faire des boulettes, c'est pas sorcier, hein. C'est juste que je voulais vous prendre comme ça. Voilà, avec moi, quoi, comme d'hab. Hein. Quand je fais à manger, j'aime bien vous prendre avec moi maintenant. J'ai fait une petite sauce épaisse à la fin. J'ai vu sur le sachet, il y a une recette là. Moi qui les fais toujours à la sauce tomate, on peut les faire aussi à la crème liquide avec du curry. À essayer. Vous allez aller prendre votre douche là. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais mettre mon oignon. Hein. Non, Evan, s'il te plaît, non, mais pas ta sœur. Maman, je sais pas si tu prends deux, ça va faire bon. Ça fait bien ça. Cerveau, dis-moi. Quoi? Concœur. Dis-moi. Quoi? Cerveau. Quoi? 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 Oui, maman. Maman. Donc là, souvent, moi, je mets trois boulettes pour les enfants et puis quatre pour nous. Oui. Parce que les enfants, bon, voilà, ils ont... La oui, viande, voilà. Ah non, c'est trop chaud. Non, hé hey. J'ai voulu. T'en mets qu'une. Attends, donne-moi le sachet. Non, fais pas comme ça. Oui. Attends, je vais t'en donner une. Moi aussi, je peux essayer. Non, j'ai pas. J'ai le droit d'essayer. Oui. J'ai le droit d'essayer aussi. Doucement. On a donc 5 secondes. Allez, vas-y. Attends, je compte. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11.
12, 13, 14 et 15. Voilà, c'est bon. On a... On va cuire. Donc, je vais mettre du sel, du poivre et de l'ail. Comme d'hab. Hein. C'est pour esquiver, hein. Maman, qu'est-ce que le retour de course demain, mais ce sera le retour de course qui a eu cette semaine en fait. Inversement, la semaine prochaine vous aurez le retour de course de la semaine qui va passer là en fait. C'est le temps de le faire tout ça. Ouais. J'ai pas eu le temps de monter et tout ça, donc du coup, bah, je vais montrer demain. Allez, viens là, s'il te plaît. Voilà, après, ils vont aller prendre leur douche. Hein? Et là, il va prendre le dessin, il est... On a perdu Irina. Demain, j'ai un grand ménage à faire parce que là, aujourd'hui, demain, j'ai rien fait du coup. Demain, il faut réparer le trampoline. Demain encore, il faut préparer tout en fait. Mm-hmm. Il faut tout ranger parce qu'il y a beaucoup de trucs à ranger. Ah bon? Donc, ouais, j'ai mon ménage à faire. Bah, comme ça, là. Je vais voir un peu. Derrière, on va nettoyer avec monsieur derrière aussi, avant les vacances. Monsieur a déjà commencé à remonter le trampoline, mais il m'avait donné une disque, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. Donc, je cherche après demain. Moi, tu vois, on me donne des trucs quand je suis en train de faire quelque chose. Donc, comme je fais quelque chose, bah, je pose la vis quelque part et puis après je m'en vais. Et puis bah voilà, quoi. Après j'oublie parce que bah forcément j'étais en train de faire quelque chose à la base. Pendant ce temps, je suis sûre que pendant ce temps, papa il faisait le trampoline. Bah oui, mais voilà. Du coup j'espère que je vais la retrouver. Parce que sinon papa en colère. Voilà. Là, je vais tenter la sauce tomate que vous avez fait voir la dernière fois, la grande boîte, là-bas, ce que c'est la sauce tomate concentrée ou voilà, quoi. Vous allez la chercher, d'ailleurs. C'est trop grand, je m'en servirai certainement une fois pour faire les pâtes bolo parce que elle est grande comme ça. Donc si je mets une grande boîte comme ça dans 15 boulettes, voilà. Je vais essayer avec les pommes d'amis, on verra bien hein, ce que ça va donner. Voilà. Donc là je vais mettre un peu d'eau pour que ça brûle fort. Hein.
Et puis je vais rajouter ma sauce tomate. Après je fais cuire mes pâtes. Et pendant que les pâtes cuisent, Miss Serena va aller à la douche. Ce n'est pas le tout, mais vous n'êtes pas encore en vacances. Hein. Encore une journée. Ah, bah si, elle a l'air d'être seule. Si, ça a l'air d'être la même que la sauce tomate concentrée que j'aime bien prendre. Donc peut-être que on va la retrouver, mais soi-disant que c'est revenu un peu la sauce tomate concentrée. Nous on a moi franchement je mange que celle-ci. Donc voilà. Donc là je vais rajouter ma sauce tomate. Hein. Hop. Alors dites-moi vous comment vous les faites vos boulettes. Hein. Ça m'intéresserait de savoir. Prochaine, je vous dis, je ferai certainement la recette qui est sur le sachet là. Et sa base de curry, ça a l'air d'être quand même à tenter, à essayer. Il y a des faut changer aussi parce que c'est vrai qu'on tombe souvent en rond. Là, ce soir, si j'ai le temps, on peut se faire plutôt demain soir parce que là, ce soir, voilà que je suis. J'ai pris un cachet hier qu'il n'aurait pas fallu que je prenne, du coup voilà, je suis à moitié dans le quota. Donc là, je voulais en reprendre un ce soir, mais je crois que je ne vais pas le prendre parce que bah, voilà, ça me met carrément à l'ouest, ce cachet-là. Mais c'est ce qui m'aide à dormir, hein. C'est compliqué. Arriver à dormir. Donc voilà, donc, je vais aller commencer à faire mon livre de recettes comme je vous avais fait voir sur mon retour de course action. J'ai acheté un nouveau cahier pour réécrire mes recettes parce que le cahier que j'ai actuellement, voilà quoi, je l'ai utilisé, réutilisé et ça se fait qu'il est tout sale, il est plus fameux quoi. Donc j'aimerais bien. Maman, tu devrais le garder, ça fait un souvenir. Ouais. Bah, je vais le garder quand même et je vais réécrire mes recettes sur un cahier propre en fait. Donc là pour faire ma sauce épaisse, garde-le en souvenir. Je vais vous le faire voir là mais je vais pas la mettre tout de suite. Hein. Donc je prends de la maïzena. Je vais prendre un petit bol. Arrête de faire ça s'il te plaît. Voilà. Là, je vais mettre un peu d'eau dedans. Après, ça, c'est mon père qui m'a appris. Hein. Voilà. T'as de la chance d'avoir un père comme ça. Ah, oui. Et aussi, c'est une pratique. Ah, bah oui. Et qu'à ma mamie, je suis sûre qu'elle est écrivaine en cuisinière. Oh oui. J'ai envie qu'elle fasse encore des plats. Ah, bah oui. Donc là, je mets de la maïs. En fait, j'ai pris mon bol d'eau comme ceci. Et là, je vais mettre de la maïzena dedans, hein, tout bêtement. Maïzena. En mélangeant bien pour pas qu'il y ait de grumeaux. Hein. Maman, j'ai une question. Attends, une minute. Papy, il est mort quand? Attends, une minute, s'il te plaît. Il est encore enfant. Quand? Il est encore enfant, tout à l'heure. D'accord. On va pas parler de ça de mon enfant, non. On s'inquiète pas tout le monde. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc ça fait comme si vous avez du lait, en fait. Hein. Voilà, complètement. Hein. Voilà. Et puis après, je vais le mettre tranquillement dans ma sauce. Comme ça va faire une belle sauce, bien épaisse. Voilà, je vais laisser un peu cuire quand même mes boulettes. Mais à voir où elles sont cuites. Donc là, hop, je
vais rajouter un petit peu de jus quand même. Et puis je vais mettre mon mélange que je vous ai fait voir là. Hein. Comme ça, ça va me faire une belle sauce épaisse. Voilà. Je vais laisser cuire un petit peu le temps de faire cuire mes pâtes. Parce que sinon après les boulettes vont être froides. Et quand vous faites ça, pour c'est éviter de faire réchauffer. Donc, c'est pas très bon sinon. Voilà. Non, non, mais c'est pas ça, c'est que la sauce après, bah voilà quoi. Donc il faut éviter de faire réchauffer après. Donc quand vous faites la sauce là, c'est à la dernière minute qu'il faut la faire. Parce qu'après, moi je sais que j'essaie même pas de réchauffer après, parce que alors là, vous allez avoir de la purée. Voilà, donc là, on va mettre, je vais changer le gaz de l'autre, voilà, et puis on va faire cuire les pâtes. Bon, pareil, dans mes pâtes, je mets un peu d'huile, un peu de sel. Hein. Non, 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 non. Bah, si tu veux pas, ah oui, il faut couiller. Non, pas tout de suite, déjà là. Oui, mais j'ai envie de couiller, j'ai envie de couiller. Oui, bah après, 5 minutes. Oh. Attendez 5 minutes, là. Ah bah oui, mes cheveux sont décachés. Pourrais pas. Oui. On va mettre. Oh là là, mon Dieu, vos visages. Il va falloir aller à la douche là quand même, hein. Voilà, un peu d'huile. On va laisser chauffer l'eau déjà avant de mettre des pâtes dedans. Eva, t'approche-toi pas trop près du feu. S'il te plaît. Et puis on va faire quoi comme plateau? Je vais te faire cela. Je vais certainement faire les macaronis parce que les farfales, on n'aura pas assez, je pense. Bon. Donc on va faire les macaronis, puis une fois, il faudra que je fasse le mélange des deux, quoi. Voilà. Donc là, voilà, je vais ranger un peu le temps que ça chauffe. Evan, s'il te plaît, joue pas avec le gaz. Et voilà. On dirait qu'on a des enfants de 3 ans ici. C'est pas possible. Ça, je vais ranger ça. On me traite pas comme ça, les abonnés. S'il vous plaît, soyez gentils. Soyez gentils, ne traitez pas comme ça. Mais on t'a rien dit, non? Voilà, c'est déjà mieux quand même, parce que là, ça commence à devenir le bazar. Là, ils vont aller prendre leur douche, les messieurs, là. Hein? Tu vas aussi? Là, ça va être cuit, je vais pouvoir arrêter mes... Je mettrai mon mélange après, du coup. Donc, je vais peut-être vous couper là, et puis je vous ferai voir ce que ça donne après avec la sauce épaisse. Du coup... Livre. Donc, voilà. Livre quel est, après, on devait faire celle colorée. Moi, j'avais pas fait... Avant, je faisais juste... Je mettais juste la sauce tomate dedans. Une fois, je me suis dit, bah pourquoi pas faire une sauce épaisse. Voilà, ce sera plus... Evan, il a encore joué avec le gaz. Et, bah, et en fait, quand j'ai mis... j'ai fait la sauce épaisse. Bon, ben, écoute, ils ont adoré. Donc, maintenant, je le fais comme ça. Comme ça, au moins. Voilà, c'est simple. Mais voilà, moi tout le monde aime et puis voilà, on fait ça. Peut-être pas tout le monde, hein, maman. Ah bon? Bah, qui n'aime pas les boulettes à la sauce tomate? Mais tu sais, il y a certains goûts qui t'aimes peuvent... pas? T'aimes pas, toi? Mais je te parle de notre famille, là, Irina, pas tout le monde. Ah oui, il y a des gens dans le monde qui doivent pas aimer les pâtes, les boulettes à la sauce tomate, hein. C'est, ouais... Je vous reprends, il est 21h, donc je vous reprends avant d'aller mettre les loulous au lit. Là, ils ont fait leur carte à gratter, hein. On a mangé, on s'est bien régalé. Et bah, Irina va vous faire voir, elle a fini de gratter sa page. Voilà ce que ça donne. Parce que là, tout ça c'était noir en fait.
C'est qu'elle a tout gratté. Il y avait que la cake et le ça fait comme ça en fait. Ça faisait ça et puis bah Irina l'a tout gratté. Elle a découvert le dessin. Et là, elle est en train de colorier celui-ci. Donc voilà, ils ont pris leur douche et puis bon bah là on va aller lire l'histoire. Mais vous montrez mon dessin. Allez au lit. Tu veux faire une prise? Ouais, tu le fais voir commencer et puis tu le fais voir demain quand tu l'auras fini. Ah, d'accord. Allez, viens me faire voir. Donc voilà ce que ça donne pour petit Evan. Donc il est en train de le gratter là. Voilà, donc on voit bien l'éléphant au terme du cirque. Et puis là, il aura un coloriage à faire. Donc il vous le fera voir demain. Demain soir, il l'aura certainement fini, je pense. Hein? Oui. Et donc voilà, donc là je vais aller mettre tout ce petit monde au lit et moi je vais en faire autant, je pense. Je crois donc, que j'ai fini. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, d'activer la petite cloche et de vous abonner. Et nous on vous dit...